Oh my god, mais dites-moi quelle meilleure sensation que d'ouvrir tous ces colis en vidéo. Je suis trop hâte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis vraiment hyper méga content de faire. Ça doit faire à peu près une ou deux semaines que je fais des commandes par-ci par-là. Bon, celle que j'ai reçue il y a deux semaines, j'ai craqué, j'ai ouvert. Mais j'ai gardé trois colis que j'ai reçus tout au long de la semaine. Là, on est jeudi et j'avais qu'une hâte, c'était de les ouvrir. J'ai attendu depuis le début de la semaine. Là, du coup, je suis trop content d'avoir attendu parce que mon envie de les ouvrir, elle est au max. C'est un unboxing spécial solde. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, donc pas de soucis, tout sera dans la barre d'infos. Donc, je vais ouvrir trois colis de trois marques différentes. Vous allez voir tout ça au fil de la vidéo. Ah oui, et je vous fais pas de try-on dans la vidéo, malheureusement, parce que ça craint. Genre, j'ai pas fait ma valise et je pars après-demain, donc je suis grave en retard. Et je vous invite à me suivre sur mon Instagram parce que j'ai prévu tout ce que j'ai acheté là. En fait, je vais tout amener à Tokyo, donc je vais vous faire des photos. Et du coup, si vous me suivez sur Insta, déjà c'est cool parce que vous me suivrez au Japon et tout. Et j'essaye d'être plus actif en Insta Story. Et en plus, vous verrez les vêtements en try on. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et quant à moi, je vous laisse de suite avec la vidéo. C'est parti. On commence. C'est sûr en fait que je pensais ne pas avoir à temps pour la vidéo parce que je pars à Tokyo dans deux jours. Du coup, regardez le truc que j'ai acheté là, c'est clairement pour mettre à Tokyo et tout, donc je suis trop excité, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On va commencer par ce colis qui vient de chez Farfetch. C'est un article de luxe, c'est pour ça que je commence avec. Comme ça c'est fini parce que c'est le seul article de luxe qui aura dans cette vidéo. Ma passion, ouvrir les colis, je crois que je pourrais faire ça toute la journée. Comment ça s'ouvre? Non, pas ma passion du tout quand je galère. Y a aucun sens d'ouverture, ça a aucun sens. Mais les gars, je comprends pas là. Je vais me couper un doigt dans cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Unboxing qui tourne mal, je me coupe un doigt, ça va cacher de ça. Oh. Oh. Hello, yeah, je vois mon petit cadeau. Je suis trop content. Ça, c'est ma facture. Super, je me rappelle que ça m'a coûté une blinde, c'est génial, histoire de me le rappeler au cas où j'avais oublié. My god, il est magnifique. Birthday, mon cadeau. Ah bah voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire de moi. My god. Oh my god, je meurs, elles sont trop belles. Bon, du coup, vous devez pas trop comprendre parce que là je suis dans mon mood, genre je suis en mode comme si j'étais tout seul, je vous explique même pas. Donc c'est des Chelsea Boots de chez Saint Laurent, dont je rêve depuis je sais pas combien de temps. Vraiment, je les veux depuis hyper longtemps. Ce modèle est canonissime. Oh là 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 là. Moi, les boots de mes rêves, genre. J'ai acheté du coup sur Farfetch, un site qui revend des articles de luxe neufs. Et elles étaient soldées en plus, donc à moins 30 ou moins 40%. Donc je suis en train de me faire kiffer ma vie. Et en plus, j'ai fait des économies vu qu'elles sont soldées. Donc je suis trop content. Look at my face. Mettre des coups de pied aux haters, là, vous imaginez même. J'adore. Bon, concrètement, elles me vont trop grandes, hein. Il faut que je mette une semelle, mais si vous croyez que je vais les renvoyer, pas du tout. Je les aime beaucoup trop. C'est mort, je les garde, je les emmène à Tokyo. Genre, j'aurais dû les prendre en 41, j'ai pris 40,5. Pourtant, en sneaker, je chose du 42, mais elles chaussent méga hyper grandes, genre, je suis choqué. Mais tant pis. En soi, c'est mort, je les renvoie pas, je les veux absolument pour Tokyo. On mettrait une semelle, on fera genre, ce sera pas trop grand, et puis voilà. Alors, ensuite, on passe au colis, bah vraiment, je voulais le plus, mais genre vraiment. Je l'avais pas avant de partir, je pleurais, j'ai cru que j'allais pas le recevoir à temps. J'étais en panique les gars, genre j'ai reposé littéralement toutes mes tenues de Tokyo sur ce collier. Littéralement immense. Regardez la taille, my god. J'allais chercher au point relais aujourd'hui. Le mec m'a fait, mais à chaque fois que vous venez me voir, vous dépassez le record des plus gros colis que j'ai jamais eu et des plus lourds. J'abuse grave. Donc tout ce qu'il y a dans ce colis viennent du site Junkie Hard avec qui je suis en collab. Et genre comment vous dire que je suis hyper méga content. Junkie Hard, pour ceux qui savent pas, c'est un site qui revend plein de marques. Ils ont même certains accessoires de leur marque à eux, donc Junkie Hard. Ils revendent plein de marques de sport ou pas, genre ceci, Adidas, Nike, enfin bref, plein de trucs. Donc j'ai trop hâte de voir les articles, j'ai commandé des trucs de malade pour le Japon, donc j'ai trop méga trop hâte. Alors, voilà une ouverture facile, merci Junkie Hard. Je vais pleurer, c'est trop d'émotion là, je suis trop content. Ouh là 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 là, regardez. Ah mais j'ai l'impression que c'est Noël, genre je suis hyper content. Et comme j'ai pensé à vous, super nouvelle étant donné que vous avez un code promo. Content, j'ai réussi à vous avoir un petit code promo de moins 15% sur tout le site. Hors des soldes évidemment, parce que de toute façon quand ils soldent, il n'y a pas besoin du code promo, les soldes sont dingues. Vous avez moins 15% avec le code TAMBURINI15 qui s'affichera sur l'écran. Voilà, concrètement, allez jeter un oeil. On a pour tous les goûts, moi je sais que j'aime bien m'habiller street mais aussi classe. Et j'ai réussi à trouver un peu de tout, donc pépite. Donc premièrement, un article que j'attendais grave. Une doudoune, mais une doudoune quelle couleur? Orange. Nous on veut pas passer inaperçu, of course. Donc, la couleur est dingue. Alors là, mais
Franchement, je vais me préparer parce que là, je me rends pas compte à combien de surplus de kilos de valise je vais avoir. Enfin, j'en ai beaucoup trop de vêtements. Je vais faire mes meilleurs outfits. Non, la couleur, elle ressort tellement bien et je vais avoir tellement chaud dedans. Capuche, j'enlèverai, je pense, parce que j'aime pas trop. Comme ça, au moins, si on se perd avec ma pote, vous inquiétez pas, elle me retrouvera sans grand problème. Je le mettrai le premier jour du coup. Premier article validé de chez Validé. Ensuite, oh là 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 là. Oh, je suis comme un enfant, je vous jure, j'adore. Alors, ça, c'est un raincoat. Ça, il faut kiffer. Ma mère, quand elle va voir la vidéo, elle va dire, mais qu'est-ce que c'est, raincoat, quoi, hein, comment on appelle ça. Kawaii, si on veut, mais bon, c'est un peu plus glamour en anglais quand même, faut le dire. C'est transparent, c'est-à-dire que je vais mettre mon meilleur outfit partout. Je mets ça. Ouais, j'ai trop hâte de le mettre, genre avec mes off-white et tout. Oh là là, j'ai trop hâte. Ensuite, encore une veste. Ça, pareil. Alors là, vous allez être choqués en fait, parce que, genre, grave osé. Je me suis dit, bon, je vais pas aller à Tokyo 20 fois dans ma vie. Donc, concrètement, j'envoie le paquet. Ça, c'est une espèce de petite veste qui est très fine. Donc, je pensais la mettre sans rien, mais sachant qu'il neige là-bas, c'est mort. Donc, je mettrai doudoune ou quoi par-dessus. En léopard. My god, on va voir que moi là-bas, ça craint. La matière, on dirait un peu du lin. Donc, elle tient pas très chaude, mais elle est hyper agréable. Donc, c'est hyper cool. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, mais je suis hyper satisfait. Genre, il est hyper léger et ça peut servir juste, vous savez, d'une espèce de petite veste et au-dessus, par-dessus, vous mettez autre chose. Ceci qui vient, bah, comme d'hab de chez Junkyard, quoi. Cool, ça commence trop, trop bien. Vite. J'adore le bruit des unboxings. Oh, mais regarde, oh, ils sont grave organisés, les gars. Regardez, ils m'ont enveloppé. Je crois que c'est mes lunettes. Donc j'ai aussi pris deux petites paires de lunettes, sympatoche. Là, s'il y aura du soleil là-bas. Mais bon, au pire, hein, who cares, c'est pour le style. My god, j'aime trop. Vous allez détester, on dirait des lunettes 3D. Mais bon, ah, c'est bon, c'est pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler, je vais grave les porter, mais je veux dire, genre c'est pour être dans le style de Tokyo. J'aime grave. Non, mais il faut voir porter après. Là, comme ça, j'ai un peu l'air soit d'un alien, soit d'un, je sais pas, moi, un professeur. En fait, là, je ressemble un peu à rien, un scientifique ou je sais pas quoi. Et ensuite, deuxième paire. Aïe, yeah. Elles sont hyper bien emballées par contre. Ils se gavent, genre. Ça, c'est des lunettes, je crois que c'est la marque Junkyard. Ouais, voilà, ça c'est de la marque Junkyard. C'est des petites lunettes, sympa, parce que j'ai cassé mes Ray-Ban, donc je me suis dit, why not. Et bon, j'ai pas l'air bête comme ça, mais elles sont grave cool. Je suis grave content. Je laisse, non, ça fait un style. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Je m'en rappelle plus. Bah ça, on va pas s'éterniser 107 ans, hein. Rien de ouf, hein. Concrètement, c'est un sweat noir, basique. Il a l'air hyper bien coupé, la matière est hyper agréable. Pas épaisse, mais hyper chaude dedans, c'est de la polaire, donc c'est top, top, top. Oversize et tout, sympa, parce qu'il m'en fallait un. Ensuite, je suis hyper excité. Ah non, je fais les chaussures, là, je peux plus attendre. Je suis désolé, les gars, je fais n'importe comment. Mais là, je peux plus attendre. Alors, c'est des Converse. Et attention, attention, elles sont dinguissime, les gars. Alors oui, vous allez vous dire, mais what the fuck, mec, t'as pris du rose. Mais je vous ai dit, je me suis dit à Tokyo, je joue l'extravagance à fond. Et bah j'adore. Je les ai pris en 42, je crois. Évidemment, comme ça, c'est pas très beau. Mais j'ai grave un look en tête. Pour ça, suivez-moi sur Instagram, comme ça vous verrez mes looks. Marre, j'ai tout mon dressing, j'ai vu, c'est des chaussures blanches ou noires. Donc flemme, j'avais envie de mettre un peu de peps. Ensuite, l'autre paire de chaussures, je peux pas attendre, je suis désolé les gars, les chaussures, c'est vraiment genre, je crois, les deux trucs que j'attendais le plus. Bon, c'est encore des Converse, mais rien à voir. Je fais un arrêt cardiaque là. Elles sont canonissimes, les gars. Mon dressing va me remercier. Faire un look avec la doudoune. En plus, c'est le même orange. Donc, on flic. La qualité, elle est trop cool. Enfin, ouais, j'adore l'orange, il pète. Yes. La commande se termine, bah, ça fait déjà pas mal. Et il y a ici une petite veste qui a l'air bien sympa. Je crois que c'est le seul article que je sais pas si j'emmène parce que ça va me prendre la place et je sais pas trop si je vais la mettre. Elle est toute fourrée à l'intérieur. Oh. Alors là, ma vie, c'est belle. J'ai aucune veste chaude à chaque fois. Giga méga froid. J'ai vécu ma meilleure vie dedans. Oh, j'adore, les gars. Oh, j'ai l'impression d'être resté dans mon lit. Je vais m'endormir avec en cours, ça va être n'importe quoi. Je fais un peu genre bomber. Elle est hyper stylée. Elle me va nickel. Je crois que j'ai pris du S et franchement, il taille parfaitement bien. Est-ce que vous voyez le smile sur mon visage là? Quand t'as un peu la flemme, tu t'habilles full look black et tu rajoutes ça, ça apporte un peu de couleur. Hyper cool. Ensuite, avant-dernier article, c'est un trend, la marque Junkyard. Et ça, c'est plus mon style de d'habitude pour le coup, donc ça me ressemble un peu plus que les autres articles. J'adore. Il me va, c'est sûr, c'est du S. Et il est canon. Trop, 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 trop beau. C'est un sans faute là, il reste un truc, ce sera peut-être un sans faute. Donc, dernier article, malheureusement. Ah, oh là là, bah alors là, c'est bon, c'est un sans faute, c'est sûr. Oh, j'espère qu'il me va lui, parce que j'ai grave vu des looks avec. C'est un pantalon cargo, ouais, mais sans les motifs militaires. De chez Carhartt, que j'ai acheté aussi chez Junkyard. Pas trop large, genre. En bas, si jamais il se resserre. Ah, mais ça, mais c'est génialissime. Et lui, je l'ai pris en W31, L32.
Et la taille, elle est parfaite, genre vraiment, elle a l'air parfaite. Les gars, vraiment, vous pouvez me faire confiance. Genre, jamais je vous mentirai sur un truc. Là, je vous dis vraiment, ça vaut le détour. Junkyard, je suis littéralement... Je crois que c'est la première commande de toute ma vie. Et c'est pas parce que c'est une collab ni rien, vraiment, où je suis 100% content de tout ce que j'ai reçu. Genre, il y a tout qui est parfait. Expected versus reality, the same, genre, la même chose. Donc voilà, je vous mets les liens de tous les articles dans la barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour sur Junkyard. Vous le voyez, des trucs de malade, trop stylés. Et vous avez moins 15% grâce à mon code Tangerini15, donc voilà. Alors ensuite, dernier colis. Heureusement parce que j'en peux plus là. Qui vient de chez Weekday. Ça aussi c'est un site que je kiffe. Alors ça c'est une marque à part entière. J'adore ce qu'ils font et j'ai acheté pas mal de trucs soldés. Certains trucs qui étaient pas soldés, enfin bref, un peu de tout. Attention, la cérémonie de l'unboxing 2019 solde est ouverte. C'est parti. Hop. Là, ah, craqué, j'adore. Je suis un peu déçu là par contre, je suis un peu débile. Parce que je... Quel idiot Alex, quel idiot, trop bête. Alors j'ai commandé ce pantalon, trop beau, mais je crois que j'avais déjà commandé, je l'avais déjà renvoyé sur ce site. Tuez-moi, je suis vraiment trop bête. Il est trop beau, je prie pour qu'il m'aille. Ah non, je crois pas que ce soit le même. Ah non, lui il m'a l'air nickel, j'espère qu'il m'ira. Grave stylé, trop beau. Grave stylé, c'est un basique, mais genre j'ai grave des idées de tenue. Talon droit, un peu ample, la matière est super agréable. Petit basique dont j'avais besoin, que moi je voudrais bien casser genre avec des sneakers, genre avec des Yeezy et tout. Ensuite, ah ça c'est mon gazon. N'importe quoi, j'en ai marre de moi, j'achète de ces trucs, je vous jure, c'est n'importe quoi. C'était clairement un achat compulsif, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Oh, il a l'air horrible ce pull. Oh, on dirait du gazon, on dirait Chewbacca. Ça, ça perd ses poils, c'est horrible. Ah non, mais lui, vous savez quoi, je le déplie même pas parce que je vais cacher le rang. Bon, je savais sur le site, j'ai un peu vu que c'était du gazon, j'avoue. Mais je me suis dit, ah, il est quand même grave stylé sur le mannequin. Ça peut faire grave stylé. Non, mais là, les gars, c'est une horreur ce pull. Ensuite, ah oui, bon, ça, en soi, on s'en fout un peu. C'est un jean noir slim basique, mais je suis hyper content parce que j'ai ce jean. Mais genre déjà il me va un peu trop serré et surtout genre vous-même vous savez les jeans noirs quand tu les saignes ils deviennent un peu genre un noir mais un peu qui tire vers le gris et tout, je déteste. Là du coup bah nickel, un jean noir bien noir, bah là vous allez voir la différence normalement. Bon elle est subtile là mais en soi ça se voit grave. Il a l'air d'être nickel, il a l'air de trop bien taillé donc je suis trop content, trop beau. Ensuite ça aussi, my god. Alors ça c'est un pull qui est hyper évasé. Voilà comme ça, il est trop bien coupé. Carré c'est les meilleurs, genre c'est les coupes, vous avez pas besoin de le rentrer dans le pantalon, il tombe parfait. Il est un peu court, je pense le mettre soit avec, bah évidemment avec un t-shirt noir en dessous ou alors avec une chemise noire. Ça peut faire stylé aussi. Et pour finir, une espèce de surchemise, un plus épaisse qu'une chemise, genre c'est un basique mais genre je me rappelle plus comment s'appelle l'astuce là où tu mets plein de couches de vêtements. Bref, pour ça c'est top parce que je peux mettre un pull, plus ça par-dessus, plus une veste. Trop bien, la matière est hyper cool, ça a l'air de tenir chaud. Je vous jure, j'ai pas besoin d'aller à la salle après avoir fait un haul, hein. Je fais les bras, vous imaginez même pas, j'en peux plus là, je suis KO. Donc voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée, après littéralement 45 minutes d'unboxing, j'ai enfin fini de blablater sur mes vêtements. Trop content d'avoir fait ce haul, ça m'a grave mis dans un bon mood parce que bah, tout ce que j'ai reçu c'est canonissime, donc je suis trop content. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, si t'es arrivé jusque là, bah t'es un vrai, parce que très sincèrement, je me suis moi-même saoulé, j'en peux plus. Ça, moi je fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.